Et bienvenue pour la suite tant attendue et inespérée des bombes de l'oncle Zelk. Et oui, je suis de retour pour vous présenter aujourd'hui ma petite Zelista, ranger de level 81, spécialisée dans la vocation de Ballist. Ces beaux gros totems qui font masse dégâts. Donc oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de Boyd, hein, ça fait plus de 6 mois maintenant, mais comme j'ai discuté avec certains d'entre vous, la 2.0 m'avait assez déçu au niveau des skill gems qu'elle proposait, c'est-à-dire en fait je ne trouvais pas qu'il y avait assez de skills intéressants à utiliser pour faire de nouveaux Boyd. Mais ici, depuis quelques semaines maintenant, la 2.1 est sortie avec son lot de nouvelles gemmes, des vrais sorts auxquels on peut créer des arbres de talent et tout le bordel qui va avec, faire des nouveaux personnages, bref, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce petit personnage double totem, double Siege Ballist. Siege Ballista, qu'est-ce que c'est? Alors Siege Ballista, vous allez poser une balliste, un totem donc, qui va viser et attaquer des ennemis les plus proches et leur tirer dessus en leur mettant des monstrueux dégâts comme vous pouvez voir. Savoir que je suis level 81, mauvais bouton, level 81 pardon, dans une zone de level 67. Si vous avez peut-être certains d'entre vous vont me dire, oui, pourquoi tu montres pas ça dans les maps? Eh bien tout simplement parce que j'en ai marre des maps, j'en ai marre des tiers de maps. Pourquoi? Parce que ça fait genre 100-150 maps que j'ai fait et j'ai peut-être looté, allez quoi, 3 tiers 4. Alors que j'utilise Zalchi, j'utilise Chisel, tout ça, mais non, j'ai juste pas de chance, du coup j'ai dit fuck it, on va farmer Dry Lake jusqu'au level 100. Non, j'irai pas jusque là, mais bon. Bref, on va continuer le gameplay. Donc c'est un gameplay très simple, hein. Vous posez vos balistes et vous les regardez défoncer les choses à une vitesse phénoménale. Ah, pas besoin de faire un dessin, hein. Vous voyez que le DPS est insane. Donc là vous pouvez voir que je suis à 15380, pardon. Oh mon dieu, j'augmente mon DPS tout seul. Oui, donc 15380 de DPS par baliste, donc on fait x2 à chaque fois, hein, bien sûr. Pour agrémenter ça, j'utilise aussi un petit Curse on Hit avec Frenzy. Donc, Frenzy, Lesser Multiplier Projectile, Curse on Hit, Projectile Weakness. Mais bon, tout ça j'expliquerai par la suite, quand j'expliquerai le skill tree, j'expliquerai les gemmes, tout ça. Le stuff qui va avec, le pourquoi du comment de tout ça. J'aimerais bien juste arriver à vol histoire de vous montrer ce que ça donne sur les boss le DPS qui peut être assez phénoménal. Valichou, Valichou, tu es là? Oui, Vali. Oh oui, tu es là. Oh oui, on va claquer la balliste, on va le curse. Pendant qu'on se prend aussi masse dégâts, les salopios. Ah ben voilà, c'était vol et c'est tout pour la vidéo. Non, je déconne, on va rentrer en ville, on va passer à l'Aidot et je vais vous montrer le reste plus explicatif, tout ça, du skill tree, du stuff, tout ça. A tout de suite, chers amis. Et re, chers amis, maintenant que nous sommes un peu plus tranquilles, sans avoir des mobs partout qui nous courent au cul et essayent de voler notre virginité, je vais vous expliquer plus en détail les gemmes, le skill tree, le stuff à avoir pour ce petit boy. On va commencer directement par les gemmes et l'explication de Siege Ballista. Alors, Siege Ballista, qui est ici? Donc, Siege Ballista, boum, on va la retirer pour vous montrer plus en détail. Alors, qu'est-ce que c'est que Siege Ballista? Siege Ballista, donc ça invoque un totem, comme vous avez pu le voir pendant le gameplay, qui va se mettre à attaquer les ennemis les plus proches, et qui va faire énormément de dégâts. Donc, de ce que nous voyons et de savons. Alors, Arrows Always Pierce, c'est génial, ça vous permet de clear les zones droites, genre par exemple des couloirs ou des petites salles, en quoi 2-3 shots, sans plus. Vous posez vos totems, vous vous cassez, c'est déjà fini, ainsi de suite. Ensuite, nous avons aussi Totem Last 8 Seconds, donc totem dure 8 secondes. Bon, ça va augmenter dans le skill tree avec les points qu'on va prendre, etc. Donc pas de soucis. Ensuite, deals 168.8 of base attack damage. C'est insane. Les dégâts de cette saloperie sont monstrueux. J'ai rarement vu un ratio aussi gros. Mais bon, pour compenser ça, bah... Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a 50% less attack speed. Et 50% less attack speed, au final, c'est extrêmement violent. Et s'il y en a parmi vous qui ont essayé de jouer avec ce build, etc., ou de regarder un peu sur les forums, vous pouvez remarquer que la plupart des gens qui ont essayé ce truc, au fait, sont assez déçus de cette gemme.
Pour la simple et unique raison, en fait, c'est que le skill est trop lent si on n'utilise pas correctement, entre guillemets. Hein, je ne dis pas que ma façon de faire est la meilleure, mais voilà. Donc en fait c'est trop lent et qu'en fait du coup la balise va viser mais tirer extrêmement lentement et que du coup la plupart du temps elle va rater sa cible parce que le mob aura bougé d'ici là et du coup bah, ça revient à rien, ça a beau faire énormément de dégâts si ça ne touche pas, voilà, c'est pas très utile. Donc du coup on va linker Siege Ballista tout simplement déjà pour commencer avec Faster Attack. Premier lien à avoir, Faster Attack, ça va augmenter méchamment votre attack speed et du coup plus ou moins nullifier le malus de Siege Ballista. Avec ça, nous allons aussi linker, Physical Projectile Attack Damage. Pourquoi ? Parce que 47% de dégâts en plus. Voilà, ça fait plaisir. Même s'il y a 10% Less Projectile Attack Speed, ça fait quand même bien plaisir. Ensuite, à côté de ça, on va ajouter Added Fire Damage. Bon, j'aime classique, hein, je vais pas revenir dessus. Beaucoup plus de dégâts, bref, voilà. Et Weapon Elemental Damage, même principe que pour Added Fire Damage. Ça va scale tous les points de dégâts élémentaires qu'on pourrait avoir dans l'arbre de talent ou sur le stuff, ainsi que les auras, l'hérald, le golem, bref, beaucoup plus de dégâts, c'est l'amour, comme d'habitude. À côté de ça, nous allons utiliser Frenzy. Frenzy, qu'est-ce que c'est ? Frenzy, voilà, c'est ça. Frenzy, donc cette gemme ici, donc c'est une attaque qui va vous permettre de gagner des Frenzy Charge à chaque fois que vous allez toucher un ennemi avec. Frenzy Charge, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça fait ? Vous voyez le tooltip ici. Vous gagnez 5% de dégâts par Frenzy Charge et 5% d'attack speed. Donc du coup, ce qu'on va faire dans l'arbre de talent, c'est skill ces petites Frenzy Charge. On va en prendre 6 voire 7. Bah oui, pourquoi ? Bah parce que énormément d'attack speed en plus, ça fait plaisir. Ça compense encore le problème de Siege Ballista. Avec Frenzy, nous allons mettre l'essor multiplayer projectile ou greater multiplayer projectile, ça dépendra de votre mana. Ainsi que Curse on Hit et Projectile Weakness. Pourquoi Projectile Weakness ? Tout simplement pour la dernière ligne de la curse, Curse and Mistake. 28% increase with damage from projectiles. Quel accent british me direz-vous ? Eh oui, c'est magnifique. Donc tout ça pour dire que ça fait plus de dégâts chaque fois que les ennemis sont cursed, donc toujours bon à prendre, beaucoup plus de dégâts, permet de clear bien plus vite. Ensuite, à côté de ça, donc comme je disais, nous allons prendre Aethred, une aura qui augmente vos dégâts en version cold. Nous allons prendre Summon Flame Golem, même principe, Golem grant 19% increase damage, oui j'avais perdu le 19 en anglais, bref c'est pas grave. Nous allons prendre une Valeste, même principe, beaucoup plus d'attack speed quand vous la castez, donc vous allez la caster contre les boss, hein. Vous summonez double totem, vous mettez la Valeste et vous avez pu voir sur vol ce que ça donne, c'est assez horrible au niveau du DPS gagné. Ensuite nous avons aussi une Blink Arrow, bah Blink Arrow c'est tout simple, ça vous permet de vous TP hors des zones de danger, parce que vous savoir que vous êtes quand même assez squishy. Ensuite, nous allons utiliser Herald of Ashe. Herald of Ashe, même principe que pour les auras et trades, etc. Plus de dégâts. Un Cast and Damage Taken et Immortal Call. C'est tout pour les gemmes. Siege Ballista vous sert à tout. C'est votre TPS, c'est aussi un moyen de survie. Je vais en revenir à ça par la suite. Donc maintenant, nous allons nous attaquer au Skill Tree. Skill Tree, il faut savoir aussi que ce personnage, je l'ai fait en deux fois. C'est-à-dire que la première fois, j'ai essayé en version Sion. Et la seconde fois, j'ai fait en version Ranger. Pourquoi, vous me direz-vous ? Eh bien, parce que la version Sion, je m'étais un peu perdu dans l'arbre de talent, pardon, et au final, je perdais beaucoup plus de dégâts par rapport à ce skill tree. Donc, voilà ! Nous allons démarrer chez la Ranger. Nous allons commencer par Projectile Damage et remonter tout ici en prenant l'attack speed et Projectile Damage, etc. jusqu'à Ballistic Mastery. Projectile Speed, Increase Projectile Damage, bref, ça fait plaisir, beaucoup de dégâts. Nous allons descendre ici, prendre Heart of Oak, 8% Increase Maximum Life, toujours bon à prendre de la vie. Finesse, Attack Speed, Accuracy, etc. Même si l'Accuracy ne sera pas intéressante dans notre build, c'est quand même important d'avoir l'Attack Speed. Ensuite, nous allons partir par ici, Bow Damage, Aspect of the Eagle, toujours des dégâts. On remonte ici, on va prendre des dégâts. Ici, nous allons juste prendre Survivalist parce que c'est sur notre chemin. Et voilà, ça fait toujours plaisir. Hein. Un peu d'Evasion, un peu d'Elemental Resistance, tout ça. Nous allons partir par la droite et nous allons chercher Acrobatics et Phase Acrobatics. Savoir que ce personnage est donc un personnage évasion. Donc du coup, Acrobatics, bah, c'est super utile. Hein. 30% de chance de dodge les attaques avec les Improvements qui sont sur le côté, donc 10% en plus. Et Phase Acrobatics, 30% de chance de dodge les spells. Ensuite, nous allons redescendre, prendre toute cette roue de dégâts, donc il y a de l'attack speed, il y a du dégât, enfin bref, des stuns, tout ça, bref, énormément de moyens de scale notre DPS. Ensuite, nous allons prendre aussi la petite Frenzy Charge ici sur le côté qui va faire bien plaisir. Ensuite, descendre, on va chercher Herbalisme, plus de PV, c'est sur notre chemin, donc ça fait plaisir. Redescendre, blablabla, jusqu'à ici.
Point très intéressant et important. Point blanc. Point blanc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait, comme vous pouvez lire, que les projectiles vont faire 50% de DPS en plus quand ils sont lancés au corps à corps. Et vu que ce n'est pas vous qui allez tirer vos projectiles, mais vos balistes, vous n'êtes pas en danger quand vous avez utilisé ce truc. Du coup, c'est 50% de DPS gratuit. Hein. Vous posez vos tourelles au pied d'un ennemi et elle va faire 50% de DPS en plus. Bref, c'est violent. Donc on va remonter par ici, on va prendre, si on veut, Wisdom of the Glade, si on n'a pas d'intelligence sur son stuff pour dire d'utiliser la Curse on Hit. Remonter ici, prendre les dégâts. Et ensuite, nous allons partir vers la gauche, ici, pour aller chercher une Frenzy Charge en plus. Donc ça nous en fait déjà 5 Frenzy Charge, ça fait plaisir. Ensuite, encore vers la gauche, on va chercher Golem's Blood. On va chercher ici ce petit joyau, dont je vais expliquer le pourquoi du comment après. Ensuite, continuer sur la gauche, remonter par ici pour aller chercher Iron Grip. Iron Grip, qu'est-ce que ça fait? Iron Grip, ça fait qu'au fait, les points de strength que vous prenez habituellement dans l'arbre de talent vont juste influencer sur les dégâts mêlés physiques de votre personnage. Cependant, avec ce point, ça va convertir tous les points de force et va leur permettre de s'appliquer aussi sur les dégâts à distance, sur les dégâts de bow, etc. Bref, ça vous permet de gagner énormément de DPS sur tout le puffing qu'on va faire. Donc le puffing, c'est quoi? C'est les chemins qu'on prend. Voilà. Donc on va remonter ici, prendre de la vie. On va remonter ici, prendre Totem Life and Placement Speed, Totem Damage, Attack and Cast Speed. Pourquoi? Bah, y a de la Cast Speed et de l'Attack Speed et du dégât. Bref, encore de l'Attack Speed, compenser tout ça. Iron Wood, énormément plus de dégâts, ça fait plaisir. On va continuer à remonter par ici, remonter, on remonte, Jacqueline, allez encore, voilà! Jusqu'enfin à Ancestral Bound. Ancestral Bound, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous pouvez summon 2 totems en même temps à la place d'un seul. Le problème de ce point, c'est que vous ne pouvez plus faire de dégâts vous-même. Mais on s'en fout! Vous avez vu les balises, les dégâts qu'elles font, c'est assez insane. Et qui plus est, on n'a pas besoin de faire des dégâts pour gagner des stacks de Frenzy avec le skill Frenzy. Et ça, c'est parfait! Ensuite, une fois que ce sera fait ici, que nous allons prendre Ancestral Band, on va repasser ici, prendre des PV, et partir ensuite ici sur la droite, chercher tous ces points de Totem Damage, Totem Attack Speed, etc. pour agrémenter encore plus notre DPS, qui est colossal. Savoir ici, donc sans les auras, etc. Donc nous sommes à 10 500. Nous allons commencer à mettre les auras, nous sommes à 15 380, le petit totem, le petit golem, pardon, 15 856, et avec 6 Frenzy Charge, vous montez à 22 000 de DPS par baliste, qu'on fait x2, c'est énorme, 44 000 points de DPS. Alors, maintenant que le skill tree est fait, nous allons passer au stuff. Le stuff, en fait, n'est vraiment pas compliqué. Alors, tout ce qui est ceinture, vous allez prendre une rustique sash, increase physical damage avec de la vie et des résis si possible, ça fera toujours plaisir. Ensuite, niveau des boots, même principe, des boots, mobilité, de la vie, des résis, voilà. Armure, même principe, de la vie, des résis, voilà. Le casque, rebelote. Les anneaux, rebelote. Et l'amulette, rebelote, la même chose, c'est toujours la même chose. Ce qui est intéressant pour ce build, c'est surtout le choix de l'arc, le choix du carquois et le choix des gants. Les gants, me direz-vous? Eh oui, les gants! Donc, au niveau de l'arc, vous avez 2 choix qui s'offrent à vous pour un physical damage Siege Ballista. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le Lion Eye, celui que je possède ici. Un arc avec un DPS physique de fou furieux. Vous pouvez voir sur cet arc, il a 73 à 290 points de dégâts physiques avec une attaque speed de 1.68. C'est insane. C'est un des plus puissants arcs du jeu version unique au niveau physique. Le problème de cet arc, normalement, c'est que vous pouvez voir toute la toute dernière ligne, pardon, It can be evaded. Ce qui veut dire que vous pouvez jamais rater vos attaques, mais ce qui veut dire aussi que le reflect, vous ne pouvez pas le dodge. Ce qui peut poser un problème si on n'utilise pas de siège baliste, mais comme nous, le reflect, c'est sur les balistes, on s'en fout. Et donc ça vous permet d'avoir énormément de dégâts au late game. On peut aussi utiliser le chinsol. Le chinsol, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que cet arc possède aussi point blanc. Ce qui fait qu'au corps à corps, linké avec votre arbre de talent, le point blanc aussi qui est dedans, 100% de dégâts en plus. Donc c'est vraiment à vous de choisir, et aussi au niveau des moyens, savoir que le Lionel's Glare, je sais pas si je le prononce bien, on s'en fout, au pire, fait plus de dégâts à distance, mais que le chinsol fera plus de dégâts au corps à corps. C'est à vous de voir si, selon votre gameplay, etc.
Niveau du carquois, nous allons utiliser le meilleur carquois possible pour ce build, c'est-à-dire le Drill Neck. Drill Neck, qu'est-ce que ça fait de beau? Alors, le Drill Neck, ça vous donne de l'attack speed, de l'evasion, de la vie, ça rajoute des dégâts physiques. Et c'est surtout la dernière ligne qui nous intéresse encore une fois, Projectile Damage Increased by Arrow Pierce Chance. Ça fait quoi? Ça fait que, vu que notre Siege Ballista a 100% de Chance to Pierce, Arrows Always Pierce, on gagne 100% de DPS en plus avec ce Quiver. Oui, juste 100% de DPS en plus. Voilà. C'est genre le meilleur carquois possible pour ce build, c'est insane. Mais juste simplement pour vous montrer, là je suis à 15 800 de DPS, si je retire, 11 700 de DPS. Voilà, on a un carquois. Un peu de DPS de gagner, n'est-ce pas? Alors, ensuite, pour ce qui est des gants, c'est un petit truc que je me suis dit, en fait, en étant en train de level up le personnage, je me suis dit, ouais, le problème, en fait, l'attaque speed, c'est vrai qu'elle est assez insane, et qu'à bas level, bah, sans attaque speed, c'est vrai que les balistes, elles sont lentes à viser, à recharger, etc., c'est pas terrible, et parfois, enfin, bah, même souvent, vous ratez vos cibles. Mais du coup, j'ai trouvé ce truc tout con, c'est que vous allez prendre ces petits gants-là. C'est des gants de level entre guillemets 0, hein. c'est des gants genre level 5, 6, quelque chose comme ça, des petits uniques qui vous donnent 30% increase attack speed en full life. Donc chaque fois que vous êtes full life, vous gagnez 30% d'attack speed. C'est énorme, mais le problème de ces gants, c'est pour ça que personne ne les utilise, c'est bah en règle générale, vous n'êtes jamais full life dans les combats, etc. Vous prenez tous toujours des petits coups. Mais comme on va jouer safe avec de l'evasion, phase acrobatique, etc., et qu'en plus les balistes vont prendre attention aux ennemis, on va mettre ses gants, être full life tout le temps et gagner 30% d'attack speed directement. Ce qui va nous permettre d'avoir des balistes assez réactives et assez rapides. Bref, ça fait extrêmement plaisir. Pour agrémenter ça aussi, vous avez pu remarquer que je n'ai pas mis Lesser Multiplier Projectile sur mon skill et que pourtant, quand je tirais avec les balistes, ben, il y avait 3 projectiles. Et c'est le petit tricks entre guillemets. Et mauvais raccourci, plop. Voilà, c'est le petit tricks du joyau qui est ici. Ouvrir l'inventaire, le retirer. Alors, qu'est-ce que ça fait? Reigns of Splinter, donc c'est un joyau unique, il coûte pas trop cher, je pense 1 KO, 2 KO, grand maximum, qui va faire 46% Reduce Totem Damage et Totem Fire 2 Additional Projectiles. Donc en fait, en gros, c'est un Lesser Multiplier Projectile pour Totem, ce petit truc-là. Mais vous allez me dire, ouais, mais 46% Reduce Totem Damage par rapport à Lesser Multiplier qui 18% less Damage, ah, c'est pas rentable au final. Eh ben si, c'est même complètement rentable. Et je vais vous expliquer ça pourquoi. Donc, on va garder le petit joyau ici et on va regarder dans un coffre. Ah ben non, je pense que je l'ai sur moi. Mais oui, je l'ai sur moi. Voilà. La grosse différence entre les deux, c'est quoi? Alors, ici, nous avons Lesser Multiplier Projectile. Vous pouvez voir deux additionnels projectiles. 16% Less Projectile Damage. C'est ce Less qui importe énormément par rapport à Reigns of Splinter ou Reduced Totem Damage. Et donc, en fait, Reigns of Splinter, donc ça va reduce les totems damage. Mais pour compenser ça, tout ce qu'on a besoin de faire, en fait, c'est de trouver dans l'arbre de talent ou sur les gemmes, etc., assez pour remonter le reduce damage. Parce que la différence avec Lesser Multiplier Projectile, c'est que c'est Lesser Multiplier Projectile, donc 16% Less Projectile Damage, c'est un pourcentage. Donc ça va affecter tout votre truc. Ça va affecter votre arbre de talent, ça va affecter vos gemmes, etc. Bon, pour montrer plus simplement, on va tout simplement retirer Physical Projectile Damage, on va mettre Lesser Multiplier Projectile Damage, vous voyez que j'ai 11151 points de dégâts, on va retirer ça, on va remettre l'arbre de talent, voilà, on va remettre le joyau, et vous allez voir maintenant que je suis à 12350 de DPS, donc plus de dégâts, donc c'est beaucoup plus rentable que les Sur Multiplier Projectile. Aussi à savoir, c'est que mon Reigns of Splinter, bah, il a un rôle merdique. Hein. Vous voyez, Reduce Damage, le joyau peut aller entre 30% et 50%. Moi j'ai 46%, bref, c'est un rôle de merde. Si vous avez du 30%, c'est encore mieux au niveau des dégâts. Bref, ça c'est pour l'explication entre Reigns of Splinter et les Sur Multiplier Projectile. On va ranger d'ailleurs. Hop! Aussi au niveau des bandits, donc pas compliqué, on va aider Hawk en normal pour gagner les PV, Hawk en cruel pour gagner les physical damage, et en merciless nous allons aider Kretlin pour la 6ème frenzy charge, ce que vous avez pu voir dans l'arbre de talent, je ne vais en chercher que 2, donc du coup ça nous en fait notre 6ème pour plus de dégâts. Du coup chers amis, je vais maintenant vous montrer un peu de gameplay 11+, histoire de vous montrer un peu ce que ça donne à plus haut niveau, au niveau des maps, niveau des boss, et à quel point ça peut fondre les ennemis. Et c'est ça qu'on aime. A tout de suite pour le petit montage. Et chers amis, on a pris une petite channel map, histoire de vous montrer ce que ça donne, comme je vous disais, dans les petits couloirs, les
Siege Ballista. Progressez rapidos, on pousse. Wouah, le lag, je rappe du cul. Non, ça va. Fraps, qu'est-ce que tu fais? Fraps, stop. Donc on va charger les Frenzy aussi, parce que ça fait toujours plaisir, plus d'attaque speed. Ouais, par contre, si on pouvait avoir un peu plus de mobs, se mettre sous la dent, ça se ferait plaisir. Ah, le voilà. Là, ça montre bien. Ah, une boîte. Comme vous pouvez voir, ça fond bien. Ça fond bien, c'est ça qu'on aime. Et vous pouvez d'ailleurs bien, bien rusher d'ailleurs avec ce skill. Hein. Au final, vous êtes assez safe dans le sens où en fait, on a pas mal d'evasion, on a des phases aggro, etc. Et on a surtout bah, les balises qui vont tanker pour vous, enfin, attirer l'aggro pour vous. Et ça fait plaisir. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est comme vous avez pu voir. Oh, ouais, allez, pourquoi pas. 1, 2. Ouais, donc les balises qui vont prendre l'aggro pour vous et les chaînes soupirs qui sont monstrueuses dans les couloirs. Allez, finis ça. Voilà, merci, c'était long. La la la, la la la. Pouah, qu'est-ce que ça fait mal. Un petit couloir, oui, beaucoup de mobs, beaucoup de mobs. Je pense que je vais juste rusher jusqu'au boss, histoire de vous montrer ce que ça donne. Encore une boîte, mais décidément. Plus drôle encore, c'est de claquer la valise. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que le DPS est assez conséquent, madame. Et par contre, on a phase accro, etc. Mais dès qu'on se fait toucher, on prend cher. Hein. C'est le problème de personnages qui n'ont pas d'armure. Un autre problème aussi, c'est parfois les totems, ils décident de focus plus ou moins ce qu'ils veulent, genre « Oh, il y a un truc qui les rend tous invincibles, autant ne pas focus cette chose-là, ça a l'air bien !» Il va se calmer, lui. Promenade découverte avec Zek. Baliste, et elle est meurt. Ah, c'est le lag. Et ben voilà, c'était un boss de map. Donc tout ça pour vous dire que oui, voilà. Je pense que vous avez compris maintenant, le DPS de cette chose est un DPS de fou furieux. Donc ça va être la fin de la vidéo, chers amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Hein. Et pour le prochain build, prochainement sur vos écrans, Blade Vortex version Oncle Zelk. Qu'est-ce que donne Blade Vortex en étant full tank? Et ouais, pas full DPS, mais full tank. Capacité de sustain illimitée, 7 endurance charge, énormément d'armure, énormément de block chance. Qu'est-ce que ça donne? C'est bientôt. Allez les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao, c'était Zelk.